Bonjour, moi c'est Laurie Boileau, je suis graphiste freelance à main pleine de doigts. Donc, vous pouvez trouver mon site à www.mp2d.com, c'est un peu compliqué mais on y arrive. Et aujourd'hui, en fait, je voulais donc vous parler de la conférence Solopreneur, ce que ça a apporté pour moi. Ça a apporté énormément de choses. En fait, déjà d'une, j'étais hyper contente d'y participer. J'ai jamais vécu un événement comme je l'ai vécu, comme je viens d'expliquer à LinkedIn. J'ai pas envie de vraiment vendre quelque chose, mais juste faire un retour sur l'expérience. J'ai passé une super journée. J'ai trouvé que c'était hyper bien rythmé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant de pauses et en même temps, c'était pas étouffant. Et j'ai beaucoup aimé les interventions, j'ai trouvé que c'était très complet, j'ai trouvé que tout s'enchaînait parfaitement. Ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir vraiment un profil blogueur, un profil webmarketeur, parce qu'on pouvait chacun s'y retrouver et se compléter. Et ce que j'ai vraiment retenu au niveau des interventions, c'était vraiment des choses qui pouvaient être à la fois communes et donc séparées, la persévérance, vraiment avoir une vision de son projet, vraiment pouvoir s'y tenir et pour pouvoir avoir un cap et pour pouvoir avancer. Il y avait énormément d'énergie, les gens étaient vraiment très abordables et on pouvait donc justement les aborder vraiment facilement, pouvoir partager. C'était vraiment comme cet esprit un peu start-up, comme on peut trouver à Nouma, comme on peut trouver à l'Anticafé, comme on peut trouver à plein d'endroits différents, qui est vraiment qu'on est ensemble pour créer des projets, pour avancer les uns et les autres, et pas vraiment pour se casser les uns les autres. C'était vraiment cet esprit-là. Et la chose qui est ressortie, c'est que j'aime beaucoup écrire, et que depuis que je suis allée à la conférence, en fait, comme je fais du conseil à côté, je me suis dit, mais il faut maintenant que j'arrête de... Il faut vraiment que je passe ce cap en fait, parce qu'il y a peur, etc. Et que ce que je peux dire peut avoir aussi une importance. Et donc, sauter le pas. Et de plus en plus, justement, on est en train de formaliser tout ça pour passer. Donc, merci la conférence, merci LinkedIn et merci pour toutes choses. Et celle de 2015 sera chouette.